Sorot Tovot, très bonne journée. On est presque dernière étape. Nous sommes aujourd'hui combien de jours dans le Homer? 48. 48, bravo que tout le monde tienne le compte. 48 qui donne combien? 6 semaines et 6 jours, bravo. Je vois qu'il faut un café pour tous pour bien calculer. Regardez, c'est très beau. Et aujourd'hui, c'est un message unique. Parce que ce message peut amener la délivrance dans le monde. C'est pas moi qui le dis, je vais m'attraper à une référence très simple. Maxime des Pères, 6e chapitre, 6e Mishnah. Et cette Mishnah nous parle des 48, donc aujourd'hui, étape, chemin pour acquérir, comme ça on dit en français, la Torah. Faites des devoirs, on ne peut pas dire tous les 48 en 2 minutes qui nous restent. Et bien sûr qu'il y a la joie et s'annuler, et savoir et écouter, et comprendre. On va s'attraper avec le dernier aujourd'hui, on est le 48e. Une étape avant demain, le 49, pour terminer les 7 semaines complètes. On l'a lu tous Shabbat, chers amis. Rappelez-vous, parce que avant de le dire, je termine avec la phrase qu'elle dit. Mevi Geoula la Olam, celui-là qui fait le 48e, le dernier, c'est le devoir du jour. Il amène une délivrance dans le monde. Il est très simple, mais très dur à faire, très simple à dire. Haomer davar beshem omro, mevi geoula la olam. C'est quoi le 48e? Chaque chose qu'on dit, hey, attention, tu sais ça, il ne faut pas le faire, amène une source. D'où tu as appris ça? Qui il a dit ça? Grand-mère? Grand-père? Un voisin? Si c'est un rabbin, un talmud, très bien, amène la référence. Chaque chose qu'on dit, il faut s'appuyer sur quelqu'un. Pourquoi c'est très dur à faire? Parce que notre nature humaine, on aime se montrer que c'est nous qu'on a dit. Et c'est très rare. Parce que, également, je vais vous dire, 48, vous le savez très bien, c'est la valeur numérique de Moah en hébreu, le cerveau. Le cerveau, à peine celui-là d'Einstein qui l'ont vérifié à l'époque, il y avait tout un médecin, un docteur Hardy, qui l'avait analysé le cerveau d'Einstein après qu'il est mort, pour trouver que lui, peut-être, il a utilisé 9 à 10% à 11%. Mais nous, on parle, s'il y en a qui disent c'est un mythos, entre 5, 7%, 10% du cerveau maximum qu'on utilise. Pour quel problème? On n'est pas dans le désert, on n'est pas dans la paracha de cette semaine. Si on est dans le désert, dans l'esprit, ce qui veut dire on se déconnecte du matériel, du téléphone, on se déconnecte des voitures comme si on est bloqué dans le sable et le 4x4, il n'arrive pas. On oublie comme s'il n'y a pas de guichet pour tirer de l'argent. Donc on oublie tous les soucis. Peut-être là, on va pouvoir utiliser un peu plus le cerveau. Donc comme on n'utilise rien de ce cerveau-là, tout ce qu'on raconte aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est forcément quelqu'un qui l'a dit. Venez, on fait du travail, si ça amène la délivrance. Et à partir de maintenant, jamais on va dire à quelqu'un, attention, hein, ce que tu fais. Non, c'est marqué dans la Torah, ou dans le Talmud, tel et tel endroit, ou dans le Midrash, qu'il faut faire comme ça. Et dans ce cas-là, quand chacun il a des sources, on est sourcé. Et automatiquement, vous allez voir que même les messages, ils vont passer beaucoup meilleurs. Parce que chacun y croit à enseigner l'autre quelque chose qu'il n'a jamais... Regardez si c'est vrai. Venez, on s'attrape sur ce 48e étape. C'est juste avant le dernier. Comme ça, demain, Bezrat Hashem, et après demain, qu'on va déjà recevoir la Torah, on va voir que toutes les sources, ils sont déjà dans ce guide extraordinaire de la vie qui va changer notre vie, Bezrat Hashem, pour le bien. C'est pour cela que, 2 jours avant, on fait des efforts supplémentaires. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim.